Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des aventures. Fera pala kwenda kuprovoke mtoto mwanamke wa benyewe. Ne va pas provoquer une fille d'autrui. Parce que la jeune sœur, la fille qui ne connaît pas d'homme, qui est vierge, qui est chez ses parents. Elle étudie. Ses enfants sont très importants. Nous parlons des jeunes. Dans sa tête, il n'y a pas de mariage. Wewe unatoka kule unaonyesha kuikala. Tu quittes là où tu habites. Oh, miliomba Mungu. Oh, j'ai prié Dieu. Je suis convaincu que c'est elle. Hakikisha kusema ni yeye. Kule unaanza kumwangalishishia. Là où tu étais en train de l'observer. La sœur n'était même pas là. Dada sikuye kwa hata. Yeye atatoka la penyana anatoka mkanisa yule anaenda. Elle va seulement sortir, elle s'en va à la maison. Toi tu es là, tu unaangalia. Elle est en train de te tourmenter. Ugona mwangalie. Attends de la regarder. Wewe ndio unafadhili. C'est toi qui fais comme cela. Tu es redevable. Ya kweli kuna ndeni. Ya des aventuriers. Ah, kukubantu wa michezo. Tu provoques la fille d'autrui. Unachokoza binti wa wenyewe. Parce qu'il y a des choses qui dérangent. Wale kuna binti wa nazuru. Oui. C'est un problème relatif au psychisme. Ani mambo inangalia mawazo ya mkichwa. C'est un problème relatif même à la psychologie. Tu réveilles quelque chose à la fille d'autrui. La chose que tu réveilles, si ça n'aboutit pas, tu risques partiment de faire de cette fille même une têtue dans la maison de ses parents.